cette vidéo. Regardez, j'ai acheté un pop-it. Voilà. Un pop-it. Si vous connaissez pas, en fait, c'est la mode en ce moment. Et en fait, c'est juste des ronds où tu appuies. Voilà, dessus. En bref, c'est ça. Et moi, j'en ai acheté un rond et couleur arc-en-ciel. Plusieurs couleurs. Voilà. Donc, c'est-à-dire, je vais le tester devant vous. Enfin, je l'ai déjà testé, mais voilà, enfin, vous allez voir. Attendez. Écoutez juste le bruit. Voilà, c'est tout pour cette face. Et maintenant, on va faire cette face. Je vais vous expliquer quelque chose. Cette face, elle n'est pas pareille que l'autre face. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette face, elle est un peu plus dure que l'autre face. L'autre face, t'appuies un peu et ça part tout seul. Mais là, regardez, faut bien appuyer et ça ne fait pas le même bruit. Voilà, par rapport à cette face. Voilà. Je vais vous montrer un truc que j'ai découvert avec le pop-it, le mien. Regardez, écoutez. Écoutez et regardez. Attendez. Attendez, je vais caler la caméra sur le porte-caméra. Et regardez ce que je vais faire. Voilà, ça fait marrant. Et puis, c'est tout aussi satisfaisant. Et franchement, niveau satisfaisant, c'est trop satisfaisant. Trop satisfaisant. Donc voilà, ça s'appelle un pop-it. Si vous connaissez pas, moi perso, je l'ai acheté à Jouet Club. Mais sinon, il y en a à Maxi Toys, tout ça. Normalement, enfin, c'est plein de couleurs, comme ça en fait, mais avec un dégradé, vous savez. En fait, eux, ils se sont pas embêtés, ils ont juste fait à chaque ligne une couleur différente, et voilà, et ils ont même pas fait les dégradés ni rien, mais franchement, ça fait bien en arc-en-ciel. Après, il y a plein d'autres formes. Il y a des formes du signe d'Apple, des formes licorne, des formes bouclier, plein de formes. Et des carrés, évidemment, parce que s'il y a des ronds, ça serait ballot qu'il n'y ait pas de carrés. Mais sinon, et du coup, voilà, il y en a plein. Et il en existe plein différents. Mais franchement, les couleurs, j'adore.
même s'il n'y a pas de dégradé. J'adore. Et franchement, c'est trop satisfaisant. Enfin, si vous en avez un, je pense que vous me comprenez. Après, c'est pas tous, ils sont pas tous satisfaisants au même point. Parce que il y en a, ils sont moyens, pas trop satisfaisants. Mais il y en a qui sont plus satisfaisants. Et il y en a qui sont hyper satisfaisants et tout. Et ben du coup... Ah si, sur les côtés, il y a un petit dégradé. Hein. Mais pas sur les faces. Et sinon, du coup, je disais... Je disais quoi déjà? Bah, c'est tout, hein, je crois. Vous pouvez en trouver, bah, Jouet Club, Maxi Toys, tout ça. Et sinon, ben, je sais pas après. Voilà donc, Popit. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que avant, enfin, c'est... Je voulais trop un Popit et ben j'en ai eu un. Voilà. Sinon, c'était Bibon Fortnite. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me soutient pour mes objectifs YouTube et mes projets YouTube. Donc, c'était Bibon Fortnite. Et putain, tout le monde, prenez soin de vous.